Alors, voilà ma plaque où j'ai percé tout à l'heure. Donc, avec un trou de 13 ici, et ici j'ai fait un trou de 6,5. Donc, quand vous allez percer auparavant, faites bien attention de mettre un scotch, un adhésif de chaque côté pour éviter que le carbone éclate. Mais sinon, ça se perce très facilement avec les fourrés bien aiguisés. Voilà, donc je les mets en place. Alors, ici. Vous pouvez voir, j'ai fait deux petits trous là et là pour pouvoir mettre des vis. J'ai pris des vis de 2,9 par 16. Alors, ces vis à l'état de base, ils font donc cette taille là. Ils sont un petit peu trop bombés ici. Donc, ce que j'ai fait, je les ai coupés au bout. Donc, nous avons une toute petite différence de 3-4 mm et j'ai limé le dessus. Pour la mettre un petit peu plus plate pour pouvoir avoir une épaisseur inférieure à celle de la rondelle que nous allons mettre par-dessus la plaque. Donc je mets en place la platine. Je prends donc une de mes vis. Je mets l'emplacement. Un petit tournevis. Très important de mettre au moins une des deux vis. Sinon, la platine pourrait bouger. J'en mets une, je mets deux. Ensuite, donc je prends ma rondelle que je mets en place. Je prends mon moulinet. Passe d'abord ma drisse dans le trou. Voilà. Ensuite, je mets ma rondelle avec un petit plat. Voilà. Ensuite, je mets une seule rondelle blanche. On en a deux normalement, mais j'en mets qu'une seule car on a l'épaisseur du carbone. Ensuite, je prends celui-ci que j'installe. Ça fond pour le moment. Je prends la rondelle inox. Je prends la petite vis qui est au-dessus. Port. Je prends le deuxième tournevis. Légèrement. Voilà, hop, voilà, le moulinet marche très bien. C'est le réglage de chacun. Ensuite, ici avec le trou de 6, moi j'utilise ce papillon là. Donc, ça, passe très bien. Je mets ma petite rondelle en caoutchouc qui est fourni avec. Ça, c'était pour pouvoir mettre mon caisson GoPro. Voilà, je trouve très pratique ce petit papillon. C'est comme ça, on peut le tourner très facilement. Voilà. Donc voilà, le support est monté. Ça bouge pas. Bon, plus qu'à chasser et à filmer les prochaines sorties. Voilà, à bientôt.